Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre ou pas, mais on va faire une petite box avec Nani. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, je vous laisse avec Nani qui va vous faire un petit coucou parce que ça fait toujours plaisir. Coucou, donc moi c'est Nani, on se retrouve sur la chaîne de Pewt, hein, voilà. Pour l'ouverture d'une nouvelle box, j'adore faire des box avec Pewt, on aime trop se faire des box ensemble. Cette fois-ci, je lui ai proposé sur le thème petite routine. Alors je sais plus ce qu'on s'était dit exactement, mais je crois que c'était routine, une routine soin avec des produits à moins de 2 euros dans nos supermarchés respectifs où on a l'habitude de faire nos courses. Je vous laisse découvrir où moi j'ai fait mes courses pour elle et je vous laisse aller découvrir du coup sur ma chaîne ce que Pewt m'a offert et dans quel magasin elle a acheté tous les produits. J'espère ma petite Pewt que cette box te plaira, j'ai essayé de faire de mon mieux. Voilà, c'est pas des trucs de fifou, mais ça m'a fait plaisir de préparer tout ça pour toi. Je te fais des gros bisous, bonne ouverture et à très vite. Mouah. Yeah ma Nani, donc le principe de cette box est de faire une box à 2 euros seulement. On adore, alors laissez-moi un commentaire pour me dire si vous aussi vous commandez sur le drive ou pas. Même moi sur le drive j'arrive à faire des courses à 500 balles, c'est toujours compliqué le drive. Mais là on s'est dit 2 euros maximum par article. Elle m'a mis beaucoup de choses. Et d'ailleurs moi je ne lui ai absolument pas emballé les colis, j'ai rien fait du tout. Voilà, comme à chaque fois je fais des box merdiques. Premier petit pochon. Bon, il n'y a pas du tout d'indice sur ces trucs. Déjà, elle a fait mieux ça que moi. Mieux ça que moi, c'est pas du tout français. Là c'est un sucre tout mou. Qu'est-ce que c'est qui est tout mou? Je pense à une serviette. Toute petite serviette, genre microfibre. Ah mais non. Des petites lingettes intimes comme ceci, ça c'est bien. Surtout en été, quand tu commences un petit peu à transpirer de la fouf. Petite lingette intime, doux et frais, se jette dans les toilettes. Bon, se jette dans les toilettes avec modération. Si t'as des petites toilettes, voilà, c'est pas terrible, terrible, terrible. Mais c'est sympa, c'est très 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 sympathique. Vous en avez 20 par petit pochet. Donc ça c'est cool. Elle a fait ses courses, si je dis pas de bêtises, à Leclerc. Parce que c'est un marque repère. Ensuite, ceci, je dirais, ça sent bon, c'est sûr, c'est un savon. D'ailleurs, un savon, ça devrait s'appeler un sable. Un savon, ça devrait s'appeler un sabon, pas un savon. C'était sûr. Ah, c'est trop bien. De la marque Tiadermine, ben, c'est trop trop bien. C'est ça, c'est un savon, hein. Oui. Un petit savon comme ceci, de la marque Tiadermine, moins de 2 euros, ben, c'est super cool. Alors, savon dermatologique. Alors moi, en ce moment, depuis pas mal de temps, je me lave le visage qu'au savon. Pour le corps, c'est autre chose. Donc c'est un savon visage et corps, enlève les impuretés et hydrate, aux huiles d'avocat et d'amande douce, savon à base végétale. Moi, je connaissais absolument pas. Donc c'est cool. Et pour information, c'est à 98% de produits d'origine naturelle. Ça, ça m'intrigue. C'est un goût de... Enfin, c'est un goût. Ça a un son de poudre. Est-ce que ce serait pas des petites poudrasses pour mettre dans le bain? Tu vois, genre un truc pour te faire un petit bain relaxant, coucouning. Je pense que c'est ça. Mais pas du tout. Pas du tout. La poudre, non, pas du tout. Je n'y suis pas du tout. C'est con, je viens tout juste de m'en mettre. Donc, c'est un petit déodorant invisible, antitranspirant, antitrace. Ça, c'est plutôt cool parce qu'en été, les traces... Autant en hiver, tu t'en fous parce que tu vas pas faire péter le pull, tu vois. Mais autant en été, bah, t'es un peu dégoûté quand tu mets un truc noir, par exemple, et puis t'as des traces de déo et tout, c'est toujours chiant. Donc, c'est cool parce que on a toujours besoin d'antitranspirant. Et moi, j'en mets, bah là, je te dis, j'avais un petit coup de chaud. Du coup, je viens d'en mettre, donc c'est cool. Un petit transpirant de la marque Manava. Toujours la marque repère de chez Lidl. Et ben c'est cool, un petit transpirant, ça sera d'une grande utilité. Ensuite ceci, est-ce que ce serait pas un masque pour le visage, tout petit comme ça? Je sais pas. Et si, c'est ça, je suis trop forte. Alors, toujours de la marque Repair, un masque fin exfoliant. Donc, vous avez deux doses. Donc, ça, c'est plutôt cool. Peau normale à mix. Nettoie et purifie. Élimine l'extrait de sébum. Exfolie et hydrate. Alors, on est parti dans une box beauté. Donc, je pense qu'il n'y aura pas trop de miam miam. Moi, à l'époque, je vous mettrai, hein, comme d'habitude, vous aurez le lien de ma vidéo en barre de description. Je me souviens plus ce que je lui ai acheté, mais je sens qu'il y a des trucs qui vont pas lui faire. Je pense qu'il y a des trucs qui vont pas lui faire. Prochain article.
C'est super gros, mais je suis sûre que l'article en lui-même est trop petit. La prochaine fois, Nani, je te jure, on fait des box bien. Avec des indices, des machins, des trucs, parce que moi, j'ai fait vraiment n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il y en a deux pour le prix d'un. Peut-être un parfum, un petit parfum, je sais pas. Hop là, franchement, Nani, je suis... Oh, trop bien, je suis super fière de toi parce que tu m'as fait ça super bien. Et moi, je t'ai fait ça à l'arrache. Donc, c'est cool, elle m'a mis un petit soin, un petit kit, autant pour moi. Donc, elle m'a mis un... Trop bien, Nani. Elle m'a mis un petit dentifrice comme ceci. Soin gencive signal. Ok, il est tout rose. Est-ce qu'il est vraiment rose ou pas? Eh, mais en fait, il y a un truc. C'est ça qui fait les bandes? Je sais pas si on voit bien, mais en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui fait les bandes de couleur. Je sais pas si tu le vois, mais vous avez du coup un petit dentifrice des familles. Et là, vous avez une brosse à dents. Alors, c'est très à la mode et j'ai vu un autre truc aussi pas mal à la mode. Bon, pourquoi cœur? J'ai un petit pic. C'est un petit pic, ça? Un petit pic comme ça. Brosse à dents en bambou. J'ai mis un numéro de série et tout. Ça rigole pas, les gars. Ça rigole pas du tout. Et j'ai vu que maintenant, ils faisaient des brosses à dents où tu changes la tête, seulement la tête. Et ça, je trouve ça super bien pour la planète. Bon, c'est cool. Mais ça, c'est super cool. Ça, ce sera très, 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 très utile. J'ai ceci. Je pense que c'est un gel douche. Bingo Lotto. Nani et moi, on adore les gels douche. Ah, l'aide de coco. Ah, ah. Nani, elle adore le coco. D'ailleurs, à la fin, tu dois pas en avoir marre du coco, justement. Tu dois pas arriver à saturation. Ça sent super bon, mais... Je vais m'en foutre dans le nez. Ça, c'est un coup à t'en foutre dans le nez. Je ne sens pas le coco. Je sens que ça sent bon, mais je sens pas le coco. Donc, pareil, de la marque Manava, un lait de douche hydratant au lait de coco. Oh, oh. Mais ça, c'est cool. Hâte de tester. J'ai plein de gel douche. C'est super cool, cette petite box. Il n'y a que les trucs pratiques. Alors ça, je pense que c'est, vu le format, vu le format, je pense que c'est je dirais plus un lait pour le corps. Tu vois un peu l'idée? Ou alors un gros dentifrice, mais je pense à plus pour un lait pour le corps. Hop là. Eh ben non, pas du tout. J'ai tout faux. Je suis vraiment pourrie. Alors, c'est un gel nettoyant pour le visage de la marque Marc Repère. Donc, enfin, c'est la marque Inelli Marc Repère. Donc, rafraîchit, purifie la peau et relève l'éclat. C'est exactement ce qu'il me faut. Eh ben, nickel chrome. Nickel chrome, ça. Les petits gels comme ça. Des fois, on a... En fait, autant, je me lave toujours avec du savon le visage, mais c'est vrai, quand été, tu sais, quand t'as super chaud, que tu rentres de taf, que t'en peux plus, t'as l'impression que t'es resté à Paris pendant 48 heures et que t'as la pollution sur ton visage, un petit gel comme ceci que t'as mis au frais en amont, technique secrète, ça fait toujours plaisir et ça rafraîchit. Oh, je me suis fait mal. Ça rafraîchit plus qu'un savon. Donc ça, c'est clair et c'est super bien et ce sera testé. Gros format comme ceci, là, je titille qu'il y a un bouchon. Donc ça, je pense, vu le format, vu la contenance, je pense que c'est un bain douche. Un bain douche. Je t'en fiche, mon billet. Voilà. Oula, c'est énorme. Oh, trop bien, c'est chouette. Alors, du petit Manava. Alors, c'est marrant parce qu'ils ont Manava classique, tu vois, et après, ils ont le petit Manava. Et ça, c'est top. Donc, on a un shampoing douche extra doux cheveux et corps. Shampoing douche extra doux cheveux et corps. Et c'est poire pomme. J'adore les trucs à la poire et à la pomme. Je kiffe en. Oh, ça sent tellement bon. Pour moi, c'est parfois là, ça fait penser aux bonbons. Je kiffe de ouf. Donc, ça, c'est pour les enfants. Autant te dire, Gertrude, que je pense que je vais leur piquer des mails et ne pique pas les yeux. Tolérance testée, de dermatologique, tout le bordel. Ça, c'est cool. Et c'est un format 1 demi-litre. Charmaine, tu l'auras compris. 500 ml. Elle m'a mis énormément de produits. Je pense que moi, je lui en ai pas mis autant. Hein, t'abuses de ouf. T'abuses de ouf. Alors, et en plus, elle m'a mis des produits où t'en as deux en un. Moi, je t'ai fait un truc pourri dans une boîte à chaussures et elle m'a gavé de produits. Alors là, t'en as deux. Je sais pas. Je sais pas. Ok, j'en ai pas deux, j'en ai trois. Alors, elle m'a mis, ça c'est la base, la crème Nivea. Je pense que je vais la donner à ma petite chouquette parce que ma petite chouquette a des problèmes de peau en ce moment. Il fait super froid et en fait, elle a les mains super sèches. Donc, ce format-là, c'est pas un petit format, c'est un format classique. Ça date de ouf. Un petit format. Donc, dans une boîte de métal, ça vaut moins de 2 euros, ça. C'est trop cool. Donc, trop bien. Je vais le mettre dans la chambre de ma petite chouquette. Et tu vois, t'as un film comme ça. Du coup, tu peux piocher directement tes petites manettes. Donc ça c'est trop chouette. Et la Nivea, j'ai envie de te dire, c'est juste la base. Tu m'as mis trop de produits, t'abuses meuf. Elle m'a mis
Oh, une crème pour les mains hydratante, c'est à cause de toi, entre autres, que j'adore maintenant les crèmes pour les mains. Donc, une crème hydratante, tout doux pour les mains, à l'huile de coton. Comment tu veux faire de l'huile de coton? Je ne comprends pas. Et d'alatoïne, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et là, ça c'est nickel chrome, une crème hydratante protège et relève l'éclat. Et bah avec tout ça, si demain je suis pas éclatante, je ne sais pas ce qu'il vous faut les gars. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. On a une autre petite crème comme ceci. Et est-ce que c'est encore une crème? Peut-être une crème de nuit? Je ne sais pas. Il y a papa. Ah non, un gommage. Un gommage, c'est super cool. Moi, je sais plus. Je crois que mes courses à moi, je les ai fait à Hyper U. Et elle, du coup, c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout les mêmes produits. Ça, c'est plutôt cool. C'est un gommage douceur. Nettoie et purifie les mules. Il élimine les cellules mortes, affine le grain de peau au menthol, à l'extrait de kiwi et au grain de kiwi. Super cool. Jamais testé ce produit, bah c'est trop cool. Trop trop cool. Eh, mais ça fait une box spéciale, le Marc Repère. Il devrait vraiment faire des box spéciales. Mais eh, mais t'abuses. Pourquoi tu mets deux articles à chaque fois? T'abuses. Qu'est-ce que... Oh trop... Elle est trop forte, mais franchement, t'es relou. Moi, j'ai fait les choses tout pourries, quoi. Alors, elle m'a mis des rasoirs comme ceci. Ça va me servir, parce que même si je fais l'épilation définitive, il faut que je me rase les jambes tous les deux jours. Alors, my way, dessous de bras. Donc, c'est chouette. Donc, des petits rasoirs, il y a tout ce qu'il faut. Et un gel à raser, jambes, maillot et aisselle. Bah ouais, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. J'ai envie de te dire, genre, tu peux pas faire le crâne. Bon, j'ai pas brassé le crâne, mais les mecs, ils en a mousse à raser. Ok, bah nickel chrome, et c'est parfum pêche gourmande. Je ne sens rien du tout. Mais s'ils le disent, pourquoi pas. J'ai un gros comme ça, je le garde pour la fin. Ensuite, encore, t'abuses de ouf. Là, il y a au moins deux, voire trois trucs en un. Elle abuse là-bas. Elle abuse de ouf, elle abuse de... On a pu ? C'est bon. Elle abuse de ouf. Alors, j'ai une petite eau micellaire comme ceci, mini format, c'est trop mignon, de la marque Inel, encore. C'est trop cool, c'est trop mignon. Mais franchement, c'est trop une bonne idée de faire une... Mais franchement, les... On va lancer un truc, Nani. Mais franchement, les marques devraient faire, en fait, des box spéciales. Tu sais, quand tu vas au drive, tu peux acheter ta petite box parce qu'il y a des trucs super sympas. Un petit démaquillant douceur comme ceci, qui convient aussi aux peaux sensibles, de la marque Sia d'Armand. Il est cool ce petit format, tout petit, il est super sympa. Et des petites lingettes démaquillantes. Bon, ça, c'est trop cool. Franchement, c'est trop sympa. Je kiffe, j'aime trop ce principe. Alors là, je pense, franchement, c'est pas ça. Jetez-moi des toiles pourries. Qu'est-ce qui s'est passé, Nani? Il y a un problème. Je pense que c'est un baume pour les lèvres. Trop chouette. Je te montre le packaging, il est comme ça, mais c'est trop chouette ça. Alors, soin lèvres, hydrate, effet irisé au beurre de karité et à l'huile d'amande douce. J'aime trop le packaging. Trop sympa. Comme ceci, c'est trop chouette ça. Ça sent bon. Oh, ça sent le bonbon là. Ah, le bonbon à croquer. J'aime trop. Trop mignon. Ah, est-ce que ça va pour les enfants, ça? C'est pas marqué. Bon, des fois, souvent, les trucs, c'est ne pas utiliser à partir de... Ah, pour moins de 3 ans, bah là, c'est pas marqué. C'est pas marqué, mais c'est trop chouette. T'as une petite odeur sur les lèvres, je kiffe. Franchement, ils font des trucs super sympas. J'ai pas l'habitude... Encore un double truc. Tu m'énerves, tu m'énerves. Alors... Là, on a une lotion, mais c'est, elle m'a mis... franchement, j'ai tout ce qu'il faut, là. J'ai une routine parfaite. Alors, elle m'a mis une lotion tonique fraîcheur, peau normale à mix. C'est trop cool. Et des petits gants. Des petits gants. Des petits cotons. Oh, mais je dis de la merde. Je crois qu'à la base, on était parti pour faire une routine. Je crois que c'était ça, l'idée. Ah, mais moi, ma box, c'est pas ça du tout. Moi, ma box, y a pas du tout de routine. Elle va me défoncer. Elle doit pas comprendre. Ah, j'ai carrément zappé. Mais oui, l'idée c'était ça. L'idée c'était d'utiliser tous les produits parce que là j'ai tout ce qu'il faut pour. Et c'était de se faire une routine et d'après vous donner un avis. Ah, ou alors ça viendra dans une autre vidéo. Mais moi je crois que allez voir ma box et moi j'ai pas fait du tout de routine. J'ai pris la merde. Oh pétard. Et là je sais pas ce qu'elle a mis. C'est léger. Qu'est-ce qui pourrait aller avec ça? J'en ai aucune idée. Elle est
concon. Elle est concon. Elle m'a mis une boîte de masques chirurgicaux comme ceci. Bon, ça va. Quoi que tu peux aussi l'utiliser pour ta routine. Mais une boîte de masques, bon, écoute, c'est nickel chrome. C'est très bien. J'espère qu'ils sont bien ceux-là parce que je sais pas vous, laissez-moi un message si c'est le cas. Des fois, j'achète des masques et en fait, ils sont relous parce que quand tu vas les utiliser, ça va faire une espèce de condensation. T'as l'impression d'avoir une truite fumée sous le masque. Au bout d'un moment, c'est juste horrible. Franchement, c'est super chiant. Et franchement, là, les gars, c'est clair et net que j'ai tout ce qu'il faut pour faire une routine. Donc du coup, je pense qu'il y aura, ou alors dans un blog, je sais pas, ou ici, ou dans un blog, mais une vidéo spéciale où je teste tous ces produits-là. À la base, je sais, l'ami, à la base, c'est ce qui était convenu, mais regardez-moi. C'est trop cool. Par contre, meuf, j'ai envie de te dire, t'as défoncé le budget de ouf, parce que là, c'est sûr que t'as défoncé le budget, parce que moi, hein, ma boîte à chaussures pourrie, elle est beaucoup plus légère que ça. Je vous invite à aller voir la vidéo là de Nani, et on se retrouve plus tard dans un blog ou dans une vidéo à part pour tester tous les produits. Enfin, je vous dis, allez voir la vidéo. Non, allez pas voir cette vidéo, parce qu'elle est pourrie. Allez voir une autre vidéo de Nani, parce que moi, je vais lui envoyer un message, parce que là, c'est... c'est de la merde. C'est de la merde tout ce que je lui ai envoyé. Et Lou, je vous fais des gros bisous. Merci ma nanny, je vais t'envoyer un message vocal pour dire je suis désolée, j'ai pas compris le principe de la box, je t'envoie que de la merde. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit en cliquant juste là. Et je vous dis, dans une box un petit peu mieux que ça, enfin, pour ma part, parce que j'ai chié dans la colle, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Merci ma nanny, vidéo.